En plus, ça me rappelle un songe que j'avais fait il y a quelques années où je voyais le frère Chora, il était en direct et il était en train de dénoncer le. En fait, il pleurait et il était tellement affligé dans son cœur par rapport au Congo et il disait, il dénonçait en fait le peuple congolais en disant j'ai voulu aider mon peuple et tout. Il a mis plein de projets, plein de choses en place là-bas. Et il y avait même pas encore le centre hospitalier, il y avait rien. Et enfin, le centre hospitalier commençait à être construit. Et il pleurait, et puis il disait, en gros, il va donner tout, il va aider en fait matériellement et tout ça. Et après, il se retire. Il voulait complètement se retirer du Congo. Et moi, ça me faisait grave de la peine parce que je me disais, mais en fait, ça me faisait penser comme à Israël, tu vois. Quand le Seigneur a dit, ben, enfin, quand la gloire, elle est partie du temple, elle est sortie du temple, et ben, ça m'a fait penser à ça. En gros, le Seigneur est venu lui-même au travers de l'apôtre pour aider ce peuple, et voilà, on n'est pas prophète chez soi. Ah, mais il y a une précision aussi que j'ai pas donnée dans le songe. Il y a eu comme un zoom parce qu'il était en direct. Je le voyais en fait dans son bureau en direct. Et j'ai vu comme un zoom sur son visage et j'ai vu chacune des larmes. Ça aussi, ça m'avait marqué. Je voyais chacune de ces larmes qui coulaient sur son visage. Il y avait un zoom en fait. Et pourquoi je me rappelle? Parce que là, je viens de me souvenir que hier, je crois, il a dit, je pleure devant le trône. Il a dit ça, tu vois, hier. Et c'est pour ça m'a rappelé. Parce que j'ai vu, il y avait un zoom sur son visage. Et il y avait chacune des larmes, je les ai vues.